l'esprit calme et l'énergie équilibrée, de la douceur extrême jusqu'à la fermeté. Durant ce cours, nous allons réviser les mouvements appris durant les trois cours précédents. Ils constituent la deuxième partie de la forme du Kung Fu de l'éventail. Préparez-vous, détendez-vous bien et concentrez-vous. Nous allons commencer. Le vol oblique. Revoyons les points clés de le vol oblique. Ce mouvement est une ouverture du bas vers le haut de manière oblique. Lors de son exécution, la taille emmène les mains, ce qui donne un mouvement ample. Faisons-le ensemble. On ouvre de bas en haut de manière oblique. On refait ensemble. Les mains décryptent une courbe, puis on déroule du bas vers le haut. Pratiquez avec moi le vol oblique. Le coup direct des coudes. Le coup direct des coudes est un mouvement de sortie de force. La force doit sortir comme une onde souple. On emmagasine d'abord la force, puis on la sort. Faisons-le ensemble. Après la fermeture de l'éventail, on emmagasine d'abord la force, puis on la sort. Ensuite, on doit immédiatement relâcher, ce qui permet une force ondulée. Pratiquez avec moi le coup direct des coudes. La poussée horizontale du yin-yang 2. La poussée horizontale du yin-yang 2, il y a un changement de pied avec une poussée de l'éventail. Le changement de pied doit être propre et fluide, l'ouverture de l'éventail bruyante et sèche. Pratiquons ensemble ce mouvement. À partir du mouvement précédent, on ouvre l'éventail, on change de pied, on avance et on pousse avec l'éventail. Refaisons ce mouvement ensemble. Pratiquez ce mouvement avec moi, la poussée horizontale du yin-yang 2. Maintenant, enchaînons les mouvements de ce cours. Le Kung Fu de l'éventail est un sport d'entretien. Il contient la quintessence du Wushu traditionnel. Il allie savamment la danse de l'éventail à l'habileté et à la fluidité du Tai Chi. C'est une synthèse de mouvements de plusieurs styles de Tai Chi Chuan, d'épée du Tai Chi, d'opéra de Pékin, de danse, etc. C'est également très populaire parmi les pratiquants étrangers de Wushu. L'éventail du Kung Fu est plus qu'un objet intéressant, c'est comme un puzzle. Il semble être un simple objet pour se rafraîchir en l'occurrence, et c'est très bien. Mais il a plein d'autres utilisations dans la forme et au combat. Par exemple, il peut cacher le mouvement des jambes ou il peut servir à bloquer le poignet. C'est très intéressant et excitant. Voilà pourquoi j'ai essayé le Kung Fu de l'éventail et le Tai Chi. Si on veut prendre encore plus de plaisir dans le Kung Fu de l'éventail, il faut consolider les bases et pratiquer plus. Nous continuons donc la révision. Le faisan doré sur une patte. Le faisan doré sur une patte se fait sur une jambe. Le mouvement doit être bien stable, donc la tête doit être droite, le chi doit descendre et les doigts de pied agrippent le sol.
Faisons ce mouvement ensemble. De plus, la position sur une jambe se fait en même temps que l'ouverture de l'éventail. Encore une fois. À partir du mouvement précédent, la main droite avec l'éventail décrit une courbe vers le haut. La main gauche décrit une courbe du haut vers le bas. Puis, les mains se rejoignent et on ouvre l'éventail. L'ouverture de l'éventail doit être sèche et bruyante. Ce mouvement se fait sur une jambe, celle-ci doit être stable. Pratiquez avec moi le faisant doré sur une patte. Le dragon remue la queue. Le mouvement « Le dragon remue la queue » nécessite la coordination entre l'éventail et les pas. On peut le pratiquer séparément, d'abord les mains, puis les jambes. Faites d'abord les mouvements des mains avec moi. Le mouvement des mains se fait de gauche à droite en éventail nuage. On doit répéter ce mouvement jusqu'à sa maîtrise. Ensuite, on passe aux jambes. C'est surtout un exercice de déplacement. Après avoir posé le pied, on croise le pas, puis on pose le pied derrière, on recroise le pas, et ainsi de suite, trois fois en tout. Maintenant, on synchronise le haut et le bas. Quand on fait l'éventail nuage, on croise le pas. Puis on ramène l'éventail en décroisant le pas. Encore l'éventail nuage et pas croisé. On ramène l'éventail, puis l'éventail nuage et pas croisé. Enfin, on décroise et on referme l'éventail. Durant l'exécution, on doit bien coordonner le mouvement d'éventail nuage avec le pas croisé. Pratiquez avec moi le dragon. Remue la queue. Le faisan doré bat des ailes. Voyons les points clés de le faisan doré bat des ailes. Ce mouvement permet de s'entraîner à sortir la force. Lors de la sortie de la force, on doit l'emmagasiner puis la sortir. Faisons ce mouvement ensemble. D'abord, on emmagasine l'énergie puis on sort la force et on relâche immédiatement ce qui permet la secousse. On le refait encore une fois. La sortie de force donne au mouvement un aspect mélangé de dureté et de douceur. Pratiquez avec moi le faisan doré bat des ailes. Maintenant, on enchaîne les mouvements de secours. Lors de pourfendre la montagne Huashan, on pratique principalement les techniques du tronc. On doit coordonner le mouvement général, les techniques de main et du tronc.
La rotation du corps doit être fluide et coordonnée. Allons-y ensemble. À partir du mouvement précédent, on passe la paume, on tourne rapidement, puis on stabilise la position. On refait. On passe la paume et on tourne le corps. Pratiquez avec moi pour fendre la montagne Huashan. Le serpent doré enroule le bras. Le serpent doré enroule le bras nous fait pratiquer la technique d'enroulement et de pliage de bras. En même temps, on doit la coordonner avec la rotation du corps et l'ouverture de l'éventail. Le mouvement doit être bien coordonné. Faisons ce mouvement ensemble. On dessine un cercle avec l'éventail, puis on enroule le bras, on tourne le corps et on ouvre l'éventail. Encore une fois. Pratiquez avec moi, le serpent doré enroule le bras. L'hégémon lève le drapeau. À présent, voici les points clés de l'hégémon lève le drapeau. Ce mouvement permet d'exercer la stabilité des déplacements, notamment avec la position sur une jambe. On ouvre l'éventail et on réunit les mains. On monte sur une jambe tout en levant le genou de l'autre jambe. Pratiquons ce mouvement ensemble. La main droite ramène l'éventail, puis on avance. D'abord, on se stabilise, puis on ouvre l'éventail, on lève le genou et on réunit les mains, le tout en même temps. On refait une fois ce mouvement. À partir du mouvement précédent, on ramène d'abord à gauche, on avance et on ferme l'éventail. Puis on lève le genou en position sur une jambe en ouvrant l'éventail. Pratiquez avec moi, l'hégémon lève le drapeau. Passons à l'enchaînement des mouvements. Cette séance de révision touche à sa fin. Maintenant, refaisons l'ensemble de la deuxième partie de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Kraiyuan. On se retrouve au prochain cours.